Salut YouTube! J'espère que tu vas bien. On enchaîne cet épisode sur ce cinquième stream sur Ark, je crois. Quatrième stream, cinquième stream. Là maintenant... On monte tout ça? Ouais. Là maintenant qu'on a tamé deux dinosaures et qui ont des selles, on peut farmer un peu plus facilement. Regardez là-bas, on vient de voir un arbre tomber, sans doute Ghost qui... Oh, il est. Qui farme. Et en gros... Maintenant, je vais m'occuper un peu de la maison. Je remonte vite fait. Voilà. On va pas tout faire aujourd'hui. Hein. J'aimerais bien faire le deuxième étage, là. Juste ça. Pas la tour. Pas cette tour-là. Juste cet étage-là, j'aimerais bien le faire. D'accord? C'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. Merde, je me trompe de scène. Salut à tous. On va bien sûr aller un peu chasser quand même tout à l'heure. Et peut-être tamer un petit animal. Ce serait cool. Salut Freezer! Omegle! Oui, c'est Omegle, c'est ça que je pense. La selle de Papyvador, c'est level combien? Alors. Je vais regarder ça. T'as entendu Ghost, hein, c'était Omegle. Omegle. Le truc que je disais. Le nouveau chatroulette. Ah ouais, d'accord. C'est niveau 40, la selle de Lézard Épineux. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben, je sais plus. À partir de quand je devrais mettre des piliers? Là, je pense, non? Mais non, j'en ai 6 déjà. Ah ouais, je dois en refaire. Ah ouais, d'accord. Notre maison va bien s'agrandir. Hein. Je vous préviens, les gars, c'est vraiment que le début. Bon, voilà, j'ai déjà tapé. Tu peux retourner aussi le cimetière. Il y a tout quoi maintenant. Franchement, gros, ouais. C'est avec ce que moi j'ai. Ah ouais. Avec ce que moi j'ai déjà mis, mec. Enfin, ce que j'ai déjà dans. J'ai pas mis dans le smithy, moi, c'est dans mon armoire, mais. On a vraiment fou de ressources. En vrai, mec, je suis en train de penser à un truc. Tu sais ce qui pourrait être marrant? C'est de faire une sorte de L ou carré ou quoi. Et genre, toi, t'aurais. On fait, en gros, on fait deux tours jumelles, on va dire. Toi, t'aurais une tour et moi, j'aurais une tour. Tu vois, comme ça, on se rend compte au même endroit. C'est pourrait être stylé. J'aurais une tour, t'aurais une tour, comme ça, on est au même endroit. En gros, on va dire que toi, on va encore partir par là. Tchac, 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 tchac. Non, attends, parce que, attends, je suis pas au-dessus, moi. Donc, je vois pas ce que tu fais. Ouais, mais ah, si t'es pas au-dessus. En direction de là où j'ai déjà construit, tu veux dire? Ouais. Et genre au bout, bah. Enfin, on aurait l'étage en commun, mais chacun son petit truc perso en bas ou quoi, tu vois. Je sais pas, j'aimais juste une idée comme Hack. Tu vois. Est-ce que tu. On aurait chacun son truc en commun, le truc en bas. J'ai... Non, attends. Attends. Va revoir. Attends. Moi, laisse-moi commencer l'idée que j'avais fait, le plan que j'avais fait. D'accord? Est-ce que ouais. Là c'est rouge ou est-ce que je peux? Ah ok, là je vais devoir faire des piliers. Normalement tu peux avancer de 2 je crois. Ouais, j'ai déjà avancé de 2. Ouais c'est ça. Mais quand on aura mis les piliers, je pourrais mettre des piliers sous ceux d'après. Sur, les, ouais, sur le 3. Ça. Et ok. Tu viens ici, il y a le Quetzaltec qui est derrière la petite colline, là c'est assez bon. Attends, on le voit plus évidemment. Mais ouais, je l'avais vu tout à l'heure. C'est cool que c'est une zone à Quetzal par contre hein. Bah c'est le deuxième qu'on voit donc c'est ultra positif. Après c'est full carnivore en dessous donc C'est positif aussi. Oh la tête de gros qui dépasse. Non. Bonjour. Ça va bien et toi Freezer? Bon, faut faire les poteaux. En fait Ghost, comme j'ai déjà une idée bien définie de la construction que je vais faire. C'est pour ça que je ne savais pas, je comprenais pas très bien ce que tu voulais dire. Bah on va attendre, fais tes bails et après on je te dis quoi. Est-ce que j'ai seulement des poteaux en pierre? Je crois pas que j'ai déjà débloqué ça. Stone. Si. Oh il y a large, il y a dynamique. Ajustable, on va faire un ajustable alors. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne moi, mais on va faire ça. Hein. Stone. GG pour tous vos level up les gars. Je vais en faire deux, mais parfait. S'ils sont ajustables, ça veut dire que je peux en avoir des grands, non? Du coup... Je ne sais pas... Bah, tu peux choisir la taille aussi dans certains... certains trucs du S+. Mais alors, c'est exactement de ça que je parle. Ok. En fait, j'ai crafté un pylône ajustable, justement. Ah mais je dois pas descendre, je dois pas monter. Mec. C'est moi. Ah non, ça va, ouf, j'ai cru que je m'étais coincé dans le gros cristal. J'étais ah non. Ah mec, le pilier il peut se mettre au milieu. C'est nouveau ça.
Oui, c'est comme ça. Là, il veut pas se mettre. Ah ! Voilà. Et nickel, ça dépasse pas au-dessus. Voilà, voilà, deux petits piliers. C'est parti. Vous allez voir, hein, moi, niveau architecture, j'aime bien m'amuser. Donc, il va y avoir de chouettes choses, les amis. Mais il faudra qu'à un moment, on parte en chasse. Et c'est vrai que j'aimerais bien tamer aussi un dinosaure pour moi, d'un plus haut level que celui que j'ai. Parce qu'il n'est pas au level, celui que j'ai, en vrai. Ghost. Ouais, clairement. J'avoue que Papy Vador, là, il va bientôt démissionner et partir à la retraite. On vient de l'avoir, je sais bien, mais... Mais non ! Tab ! Gamma 2.2. Voilà. Map, hop, je range. Tic, tic, tic. Ok, première chose faite. Je dois encore agrandir de combien ? J'ai agrandi de 3... Je crois que je dois encore agrandir de 2. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas du tout faire que construire. Hein. 3, encore de 2, c'est ça. Encore de 2, puis il y aura... Ok, ça va le faire. Ce qui serait bien aussi, Go, ce serait peut-être des raptors, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses, mais des dinosaures assez rapides pour aller explorer. Tu sais, pour partir loin, facilement, tu vois. Ouais, ça peut être bien, mais tu as trouvé des bons raptors ou quoi, et c'est compliqué, quoi. Bah, il suffit d'aller dans le désert, là, on a vu des raptors, et on essaie de voir les plus hauts levels, et puis let's go, quoi. J'avais dit, donc il m'en faut 6 plafonds. On va en faire que 5. Hop, voilà. Oh, ça va être bien, je le sens. Je sens que ça va être très très bien, les constructions, vous allez voir, les gars. Ah, mais c'est bien, j'ai mis mon plan là. Tout ça, ça va être en pierre et puis du bois au-dessus. Oh là là, je vais devoir faire tellement de craft. Après, mec, tu sais quoi ? Aide-moi. Aide-moi, mec. Tu peux faire... 3... 6, 7, 8... 16... Non. Tu peux faire 8 murs en pierre, pour commencer. 8 murs, pas plus. 8. 8 murs. Pour les Français. Dac. Je peux faire ça. Et là. Top. Hein? Ah ouais, il faut des... Ah ouais, quel enfer, en fait. Là, je peux déjà pas mettre de trucs. Ah, la construction s'annonce... incroyable, les amis. Alors lui, si je le mets là... Ok, donc si je mets un pilier là, normalement, ça tiendra tout, non? Que un d'espace. Ok. Ok, ok, ok. J'en ai marre d'avoir ces bolas en main, là. Range-moi ça. Range-moi ça. Faut que j'en fasse des piliers. Les plafonds, on va les déposer. À niveau pierre, j'ai déjà bouffé pas mal de ce que j'avais comme réserve. Hein. Stone. Je vais refaire deux piliers, et il me faut le pilier qui... Ah, dynamique. J'avais même pas fait un dynamique tout à l'heure. Le dynamique, mec, il faut des perles de silice, donc j'ai pas du tout fait un dynamique. Effectivement. Il y a large et médium. À mon avis, j'ai dû faire un large. Ça coûte 150 pierres? Je crois pas que c'est un large que j'ai fait. En fait, tu vas nous ruiner en pierre avec 3 piliers, quoi. Mec, j'ai pas encore touché une seule de tes pierres de ton inventaire. Batacraft, pas mal ça. Prononce pas le T à la fin quand il y a un truc derrière. Je sais. Tu dois le savoir, tu fais pareil. Salut Nota, comment tu vas? Comment tu vas, Nota? Ah, c'est déjà l'enfer ici. Hein. C'est... Mais je suis en surpoids encore. Putain, j'ai fait régime un peu. Pas assez, mon grand, pas assez. Pas assez, mon gros. Pas assez. Mais attends, est-ce que... Je vais quand même aller voir de dehors. Est-ce que c'est vraiment des médiums pilars que j'ai fait? Écoute, ça va, Nota. Ça va même très bien. C'est quoi, ça? C'est des médiums. Ah. Ah, écoute, moins cher que le large. Hein. Le large, il m'a coûté 150 de pierres. T'inquiète, Ghost. Quand t'as fait les murs, tu me... Ça déjà pas un, je t'attends. Ok. Médium, 1. Et deux.
Et 3-0. On construit un petit peu, très cher Nota. Oh mec, non, il touche pas le sol, ces piliers là. Mais tu peux en rajouter un petit en dessous ou quoi, un pilier qui va aller dans le sol. Enlève-le, non, cours, va enlever celui au-dessus. Avant le cooldown. Quand on pose un objet dans ce jeu, on a 30 secondes pour le ramasser, sinon il faut le casser. Allez, hein. Alors, attends donc. Va le ramasser et va le mettre en bas, comme celui que j'ai déjà mis. S'il te plaît. Tu es chiant, ce mec. Tu me donnes des ordres. Là, il me faut un tout petit, du coup. Small. 1, 2. Voilà. Gros gars, pardon. Toi, t'as de ces emotes, guerriot, toi. Je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Hein. Je rappelle quand même, Nota, guerriot, Atoupi, à vous, mes modos. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ça fait 6 jours que je stream tous les soirs et que je fais 5 heures de stream. 6 jours d'affilée. Genre, vraiment, je... Hein? J'arrête quoi? Je vais arrêter. Tu veux que je le mette? Parce que moi, j'arrive à le mettre quand même, hein, d'habitude. Mais il se met pas... Donne. Moi, j'ai réussi tout à l'heure. Allez, jette l'objet. Ah, il m'a acheté les murs aussi. J'ai eu à un moment le droit de le mettre et après j'ai pas trouvé quoi, tu vois. Gros bad. Attends, parce que ça commence comme toi là. Non. Alors. Ah. On fait moi le mal. Oh. Oh mec, attends, retourne en haut, cours. Je te jure, j'ai cliqué quand le verre. Non, j'ai cliqué quand le verre était en dessous, je te jure. Et j'ai pas bougé, donc il y a eu un bug. Tu l'enlèves et tu le jettes, d'accord? Vu que tu aimes bien construire, tu regardes des speedbuilds des fois? Speedbuild? J'en ai regardé par le passé, il y a quelques années, quand je jouais beaucoup à Ark. Ici, bah, du coup, ça fait des années que j'en ai plus vu. Merci, Ghost. Putain, enfoiré, j'ai une flèche dans la tête. Attends, reste en haut, parce que je sens que ça va... Putain, avec la flèche, mec, ça... Vous êtes tous témoins, le verre est en dessous, là. Oh! Mais le verre a bougé tout seul. Comme quoi... Là, il est nouveau. Là, il est en dessous. Mec, y a pas moyen. Y a pas moyen, je te jure. Après, j'ai peut-être une idée. Tu sais ce que tu peux faire. Regarde, voilà. Regarde. J'ai mis le petit d'abord. Et là, maintenant, il y a sûrement moyen de mettre le médium, tu vois. En fait, si on met pas de piliers, on peut pas continuer les plafonds, parce qu'il faut du soutien, quoi. Tu vas réussir ou pas? J'ai rénové mon serveur Discord. Je savais pas que t'avais un serveur Discord, Freezer, figure-toi. Je ne savais pas. Yeah! Hein? Il touche pas le sol? Il faut encore en mettre un au sol. Mais ici, j'en ai mis deux et c'est bon. Putain. T'en as encore un petit sur toi ou pas? Non, je dois aller le faire. La galère. Et on a fait même pas la moitié. Non mais en vrai là c'est le plus chiant ce qu'on fait, hein. C'est la structure de base, ouais, mec. Ouais, ça c'est horrible. Small. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai eu des abonnements. Moi je dis viens frère, on abandonne la pierre, on fait en métal. Non. T'as reçu des subs gratuits sur des chaînes que tu connais même pas? Ah, la star quoi. Ah, il faut que je m'abonne à Zerator. Faudrait revoir ses rediffs de Trackmania là. Alors Ghost, t'es prêt à un petit test? Attends, casse le... Non, reste en bas. Casse un des piliers du milieu. Techniquement, selon mes calculs, ça... Non, attends, oui. Techniquement, ça devrait tenir, mais attends. Attends. Patience, attends, je vais encore mettre moi, juste... Pour moi, t'aurais dû les mettre ici pour que ça tienne. Tu penses pas qu'on devrait tester? Pour moi, hein, pour que ça tienne, t'aurais dû les mettre là où je suis, en fait. Ouais, je sais bien où tu veux dire. Ouais, mais... Là. Techniquement, selon mes calculs, ça devrait le faire. Mais normalement, ouais, comme tu dis, ça devrait le faire. Attention, il va casser le pilier. Est-ce que tout va s'effondrer ou pas? Yes, ça tient. Ok, let's go. Ah, vous avez vu, c'est tout un calcul, hein.
Arnaque, appelé un vrai cool. maçon. Ça roule, Freezer. Bon, ben mec, c'est bon, c'est propre, là. 3, je dois encore mettre... Je dois encore mettre deux plafonds au bout, tu vas voir. C'est honteux. C'est honteux. Mais pourquoi? Regarde, on arrive à faire ce qu'il faut, là. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Ça, c'est la taille définitive. C'est la longueur définitive du bâtiment que je veux faire. Ghost. En fait, moi, ce que je te disais, tu vois, avec mon ouais. plan, c'est genre ici, vu que c'est la taille définitive, moi, je commence une maison. Ici, tu vois, comme ça, on fait deux tours de chaque côté. Ah, tu veux tu veux carrément qu'on se sépare à ce point-là? Et que, genre, moi, je prendrais ce bâtiment-ci avec la tour ici au-dessus? Par exemple, mais on n'est pas obligé de faire ça maintenant tout de suite non plus. On peut commencer en faisant ça ou quoi. Et... Mais en gros, tu vois, on aurait juste l'étage du bas en solo, quoi. Parce que je me dis, tu vois, vu que c'est un petit carré de 9 sur 9, à deux, de partager ça, c'est quand même push, quoi. Oui, mais on va changer. Justement, écoute-moi. Non, mais attends. Toi, t'as pas dû bien comprendre mon plan. Hein. Voilà où on est ici. Voilà ici, tout ça. Tout ça, ça va être un étage de 1 de hauteur. Et puis au-dessus, il y aura de nouveau une rangée de plafonds. Et c'est sur cette rangée de plafonds qu'il y aura... ce sera le balcon, quoi, tu vois. La terrasse. Donc en fait, il y a tout un étage ici qu'on va faire. Tu comprends maintenant ou pas? Ouais. On y accède comment? Parce que moi je te lis vraiment à le... Oui, l'échelle t'en a marre, ça te fait pleurer, ouais. J'ai compris. Ouais. Mais on peut faire un escalier sur en fait. Par ici. Attends. Là on va mettre des fenêtres. Ah mais non, c'est là qu'on va mettre une fenêtre. Mais non, vu que là il y a le cristal derrière. Ouais, il y aura peut-être moyen de mettre un escalier, mais il faudra d'abord voir l'espace qu'on va avoir. C'est pour ça que je voulais mettre une échelle. C'est beaucoup plus prudent de mettre une échelle pour commencer. Tu penses pas? Je suis perplexe. Mais le truc, c'est que si on avait... Non, mais attends, si on avait dû mettre les... Attends, tu te rappelles de la place que prend l'escalier? On aurait dû casser toutes nos armoires en bas d'abord. C'est pour ouais, ça. Je suis bien. Par contre... Ça, on peut le faire après peu... Attends, juste... Alatigode, bien ou quoi? Ça va bien depuis tout à l'heure? Merci beaucoup. Et bienvenue. Non, j'ai rien dit. Ok, ça va. Mais l'escalier, je suis chaud, hein. C'est juste qu'il faut être prudent dans la construction, quoi. Tu vas encore ajouter une rangée ou quoi de plafond? Mais, oui, alors... Là où je suis. Là où je suis. Tout ça, toute cette longueur-là, ça va être un intérieur, d'une taille de 1 de hauteur. Ouais, mais tu vas encore ajouter des plafonds là, par ici ou pas? Un, par là, non. Normalement, non. T'as mais, pas envie qu'on rajoute un gros, ou deux, gros, esthétiquement? Gros, tu n'as pas envie de d'aller voir le plan que j'avais fait? Mais j'ai vu ton plan, mais là-bas... Je dis pas qu'il faut le faire, calmer, hein, mais... Mais c'est parce que tu me posais la question, quoi. Tu vas en ajouter encore où, exactement? En longueur? Mais attends, il faut que je retourne voir le plan parce que là, ça va être mieux. Continue ce que t'étais en train de faire et je te dis après si c'est moi qui dit du popo ou pas. Les joies de la colocation, comme dit dans le chat. Par contre, je vois, regardez, il y a un problème là, le mur là, il va être plus haut. Regardez. Ça c'est chiant. C'est un peu chiant ça. Ah ouais, j'ai le choix. Ah donc tout. Hein? Ah mais non, regardez, il s'est descendu. Donc quoi qu'il arrive, il y aura un décalage ici. C'est parce qu'il est sur les murs posés sur la... Ah ouais, donc là, on aura un décalage. C'est pas très grave. Ça va être bizarre, mais c'est pas très grave. Maintenant, ce que j'aimerais tester... On va tester la hauteur, parce que ici... Ah ouais, ma tête dépasse, quoi. Moi, je comptais faire que 1 de hauteur ici, mais c'est peut-être pas cool. Hauteur de 1, c'est mort, hein. Il faut faire hauteur de 2 minimum. Ouais, mais gros, alors sur le plan, c'est pas beau, alors, sur papier, ce que ça va être. Ça va pas être très beau. Non? On peut un peu modifier aussi ce que t'as mis, hein. Ouais. Tu veux qu'on fasse 2 de hauteur? Parce que en 1 de hauteur, ça va pas être pratique. Et je pense que, franchement, esthétiquement et tout, le mieux, c'est de faire 2 de hauteur. Parce que 1 de hauteur, comme tu dis, on va se prendre le plafond tout le temps et des trucs comme ça, tu vois. Esthétiquement, à l'intérieur, ouais. Désolé, te voir apparaître devant moi, ça me tue. Écoute, du coup, tu peux... Écoute, Ghost, tu peux continuer à faire quelques murs. Je vais faire quelques fenêtres. Ouais, par contre, viens voir en haut. Attends, parce que du coup, je suis dans mon inventaire et je suis rempli, donc je fais quelques fenêtres d'abord. Et puis j'arrive.
Adapt, improvise, overcome. C'est quoi overcome? Ça veut dire quoi? Bien frustrant pour des perfectionnistes tout ça. Zagara, oui, tu ne m'aides pas là. Tu peux dire, putain, c'est trop bien ce que vous faites. Continue, trop bien. Parce que moi, je suis un peu perfectionniste dans ce jeu. Ça va me fatiguer, je le sens. Comment tu vas, dis-moi? Bienvenue. Et bienvenue. J'arrive, Ghost, hein. Voilà, je monte. En vrai, ça va être pas mal, Zagara. Ça va être pas mal. C'est que le début, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Attends, Ghost, je vais juste leur montrer un truc. Ah, juste un truc, encore une fois, au chat, à ceux qui débarquent. Ça, c'est le plan de base. C'est le plan de base, je vais pas vous le décrire maintenant, mais c'est ça, le plan de base. Ok? Là, on est occupé de faire ça, cette ligne-là, là. On a mis les piliers ici. Sur papier, on en est là. Cette ligne-là, de mur, on va peut-être la doubler. Donc, on va peut-être tout monter d'un étage. C'est tout ce qu'on va faire, peut-être, en plus. Enfin, en plus, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est tout ce qu'on va faire maintenant, en tout cas. Base, arc, let's go. Je vais garder ça. Overcome égale surmonter. Oh, ah, oh, pas mal. Dépasser, surpasser. Ok, je savais pas, les gars. Merci. Salut, le gamer. Salut, salut. Oui. Ici, il faut faire gaffe par rapport au mur. Tu vois, regarde, lui, il est plus haut. Alors, je t'explique. Malheureusement, j'ai cassé le mur qui est plus bas pour tester de le mettre en hauteur. Il apparaît en hauteur, il apparaît à la bonne taille, quoi. Et puis, quand tu cliques, il se redescend parce qu'il se stack. Et je sais pas faire autrement. Donc, la construction sera un peu décalée, malheureusement, là, mais c'est pas fait autrement. Bienvenue, le gamer 64. Bienvenue à toi. Moi, je peux pas jouer à ça, je pète un câble quand un petit truc dépasse. Ouais, mais c'est un jeu où il faut bidouiller, hein. Tu peux faire des constructions de malade mental, mais il faut bidouiller. Ça te gêne tant que ça, Ghost, ce truc-là? Moi, je pense que ça va le faire. Hein. Je peux tester d'en détruire un et d'en faire un pour voir si... Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'ai vu que c'était méga casse-couille ou quoi. Mais en tout cas, celui-là, tu pourras pas le descendre. Parce qu'il y a rien en dessous. Non, celui-là... Ouais, parce que c'est le ceiling, du coup, ouais, mais, c'est l'office. Mais tu vas comprendre, hein. Tu vas comprendre ce que je te disais. Le brouillon apparaît comme s'il était à la bonne hauteur et puis il glisse, en fait. Ce qui est bizarre, c'est que eux, là, ils sont aussi en hauteur. Donc on va retenter ici. Hein? Ah, regardez. Là, il est en l'air. Oh, j'ai réussi, mec. Il y a moyen. Là, j'ai raté. Attendez, je me concentre un peu, parce que justement, il faut essayer d'aller vite, parce que la construction, ça peut vous saouler, vous les viewers. Ne vous inquiétez pas qu'on a prévu de chasse. Bah, nous aussi, ouais. Non, je rigole, moi j'adore construire. Tiens, c'est marrant, là, j'y arrive pas. Et ici? Et ici, j'y arrive. Ah, t'as fait un mur pas S+, c'est ça? Plein d'équilibre. Mais il y a moyen, j'ai chipoté, il y a moyen, mais j'ai l'impression que ça dépend des endroits, quoi. Là, il s'est descendu tout seul. Salut Arne, tu es quel level? On est level 50 et d'elle, 58. On est beaucoup trop au level. Nous, on joue quand même plus calmement, normalement. Mais avec l'événement de Noël, notre niveau a été boosté. Et ça nous fait chier, parce que nous... Enfin, moi, ça me fait chier. Parce qu'on est en coop, sur un serveur privé, il n'y a personne d'autre. Le but, c'est pas de level up de ouf. Hein. Regarde mes points d'engramme, j'en ai 430. J'ai quasi rien débloqué. Hein. J'ai quasi rien débloqué. Ça va trop vite pour nous. Ça va trop vite pour nous. Mais bon, c'est pas grave. Au final, on joue comme on sent quand même. Ça va, je vous écoute. Regarde, en cuisinant avant de rebosser. Oh! Tu cuisines quoi, dis-moi, Zagara? Pas obligé de répondre, hein, vu que t'es occupé, donc prends ton temps. Regardez là, les amis. Là, le verre a l'air d'être parfaitement à la taille. Et si je clique dessus, il descend. En fait, ce que tu dois faire, j'ai compris, regarde. L'inversion de sens ? Non, en fait, on doit détruire tout ce qu'on a fait avant, tous les murs qu'on a fait avant, pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Non, parce que, regarde, ici, les deux là, oh, regarde. Regarde, gros. T'es où ? Les deux à côté de moi, ils sont à la bonne hauteur, d'accord ? Et là, j'arrive pas à mettre la fenêtre à la bonne hauteur. Elle ne veut pas. En fait, bah, tu sais quoi ? Essaye, parce que j'y arrive pas. Parce que regarde, là j'ai réussi. Regarde, je t'ai jeté une fenêtre, essaye. Tu vas voir, on dirait qu'elle se met à bonne hauteur et en fait, non. Pivote le mur. Tu crois qu'en le changeant de sens? Peut-être. Bah, oh, regarde. Mais comment... Mais... mais le chat est témoin. Asmodeus qui vient de lâcher 1500 bits dans le chat, comme ça. Sbrrrr. Asmodeus? C'est énorme, mec, c'est énorme. Comment tu vas, mec? Comment vas-tu? Bienvenue, ça fait un moment que je te vois plus là, t'es occupé ou quoi? Hein?
comment tu vas? Salut Papy Vador, bienvenue. Bienvenue à toi, très cher. Papy. Ouais, Papy Vador est là. Je vais lui montrer ou pas? Je lui montre ou pas? Papy Vador, regarde, on a pimpé ta caisse. Je vous rappelle, il s'appelle Papy Vador, hein, lui, pour ceux qui savent pas. Et on peut pas monter dessus à deux, du coup, en fait, je viens de... Ah non, lui, on... Non. Il est hyper pratique, parce qu'il peut nous permettre de récolter du bois. Et il peut porter beaucoup de choses. Donc, Papy Vador, t'es un dinosaure utile. À combien de fois, toi, en fait? 375. Ouais, moi, mon gros, il est à limite 12, je crois. Donc ça aussi, c'est méga... Mais bon, toi, par rapport à ton niveau... Par contre, mec, bien. Ton gros, ne le mets pas ici, hein. Va le mettre près du lézard. Hein. Mais comme ça, il était caché de la pluie. Oui, mais toi, la pluie, tu la vois dans le jeu ou pas? Non. Oh, le Quetzal, il est hyper bas. Le Quetzal est là. Regardez, un Quetzal Tech. Il existe des dinosaures qui ont une forme robotique. C'est assez rare. Bon, un Quetzal Tech, j'en ai jamais vu. Hein. Il y a des parasaures, des T-Rex, des Quetzal et je crois que c'est... Il y a des Raptors. Et des Raptors, ouais, voilà. Des T-Rex, tu l'as dit, ouais, il y a des Stego. Y a ah des oui, le Stego aussi. Triceratops ou pas? Je suis pas sûr. Tricé, non. Asmodeo, c'était fou, hein. Merci, hein. Période d'examen. Ah, c'est ça qui me semblait. Écoute, moi, ça va, hein. Je stream énormément. Pour le moment, j'ai du temps le soir, donc tous les soirs, je stream. Donc voilà. Asmodeo, rends-toi compte que tu me soutiens énormément. Hein. Tu le sais, mais vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup. J'en fais peut-être beaucoup, mais... I love you, baby. J'adore cette musique en vrai. Bon. Un mur en face. Ici, je mettrais bien deux fenêtres. Regardez ce qu'on va faire. Oh, la hauteur est parfaite. Deux fenêtres là. Et une fenêtre là. Et alors, Ghost, si tu veux... ici, là où je suis, au mieux, c'est une fenêtre. Tu vois? Là où je suis, hein. Il y a des fourmis en dessous. Ah non, c'est un truc de pétrole. Qu'est-ce que... Je vais écouter parce que c'est des murs normaux. Ah, ok. Putain, mais que... Qu'est-ce que t'as fait? J'aurais dû t'enfermer, tiens. Rockilian. Tu vas aller tam quoi comme dino après? Mais en fait, avec Ghost, moi je serais bien chaud d'aller trouver des Raptors. Mais d'abord, on finit un petit peu ce qu'on a commencé. Donc, ça va mettre encore un peu de temps, d'accord? Donc soyez patients. Ça fait que, je vois la vidéo, ça fait que 27 minutes qu'on construit. Donc moi je voudrais terminer cet étage-là. Et puis après, on ira tamer des Raptors. Et pour moi, il faut des carnivores rapides. Donc Ghost, si t'es chaud, pour moi c'est le prochain objectif, quoi. Et il me met un vent! Ah là là, ce bâtard, je Non mais ouais, on peut papy. Ok, ça roule. Comme ça, il est protégé de la pluie, trop chou. En plus, il l'a dit vraiment d'une manière. De rien, avec plaisir, je pense que je vais restream samedi après l'examen. Et un peu de congé Twitch pour étudier. Ok! Bah, t'as bien fait, mec, c'est important, hein. Twitch, ça va pas être une priorité sur les études, c'est trop dangereux. Samedi, je stream aussi Asmodeus, et voilà. Ghost s'est couché sur la table. Mets-toi à poil que je t'observe, vu que t'es sur la table. Attends, je suis dans mon inventaire, mais je vais venir regarder. Hein. Il me faut 1, 2, 3, 4. Mais qui est bizarre, ce mec. 3, 4. Je garde juste les chaussures. T'as la chance, j'ai trop d'objets sur moi, je peux pas bouger. Attends. On est dans Cyberpunk là, je suis dans un... Ouais, lève-toi, mets-toi accroupi, fais-moi une petite danse là. Ouais, je suis vraiment un gosse, hein. Je suis vraiment tiens, un enfant. Mais voilà, une petite danse. Allez, vas-y, prends des dégâts, il meurt. Hein. Prends des dégâts dans tes chaussures là. Oula, c'est un peu bugué là, non? Je passe à travers, moi, oui. Ah ouais, j'avoue. Oui. Je vais monter... Jackolo Game, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue. Et bah, je cuisine du quinoa avec plein de légumes et entre autres des poivrons. Les poivrons. J'espère que tu mets des épices hein, dans tout ça. Le Gamer 64, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue. Merci à vous de me suivre. Hop, il y a une femelle toute nue qui essaie de me... Marave la gueule. Me marave pour peut-être potentiellement me violer, je ne sais pas. Hein.
Est-ce que je... Je peux pas te bolasse, hein. Oh non, je suis en train de tomber. Ouf. Oh merde, t'as tombé. Merde, j'ai raté mon bolasse. Je viens de niquer un bolasse. Yannick the Snake, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Tu sais, j'ai envie de mettre les dégâts, les tiramis juste pour te... Oh mais qu'est-ce qui... Oh Raptor Soldat. Calme-toi gros. Eh hey, mais au-dessus ça va être spacieux mec ici. Hein. Ça va être spacieux, ça va être trop bien mec. Mec, ça va être trop bien ici. Ça va être trop bien mec. Va faire 10 murs, t'en fais 10, d'accord? Je vais aller farmer un petit peu, je crois, parce que là, niveau ressources, même dans mon armoire, il n'y a plus grand-chose. En termes de pierres. Donc je vais aller farmer un peu ça, d'accord? Hop. Fesse. C'est marrant, il y a eu un décalage avec ton follow dans le chat, ça a paru longtemps après. Chope-le. Je suis italienne, je te rappelle, je ne cuisine jamais sans épices, voyons. Mouah. Magnifique, ça. Magnifico. Spaghetti. Pizza. Pirelli. Oh pardon, Zagara. J'ai plein de potes italiens. Ça peut te rassurer. Ça c'est un truc que vous devez détester entendre. Ouais, moi aussi. Ça c'est vraiment le. Je suis pas raciste, mais. Je suis pas plus italien, quoi, tu vois. Ça a vraiment fait ça, quoi. Tais-toi. Arrête de dire des choses comme ça. Oh, nos petits dinosaures. J'ai augmenté le gamma. Merde. Pas du tout comme ça. Gamma 2.8. Zagara, désolé hein, pour ça. Dégoûté qu'on puisse pas jouer avec vous, car moi qui est pro sur ce jeu, je suis désolé, Kylian. Mais voilà, Ghost Anima et moi, on est potes depuis des millions d'années. Comme les dinosaures, et juste, on a envie de jouer à ce jeu ensemble depuis vraiment très longtemps. Et du coup, on va profiter entre nous, quoi. Puis si je t'accepte toi, je vais en accepter 15 autres, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça quand on est streamer, tu n'es pas le premier à vouloir jouer avec nous sur un jeu. Parce que j'ai aussi un serveur Minecraft avec du monde dessus, et tout le monde veut venir jouer, mais malheureusement, je peux pas dire oui, quoi. Tellement d'accord avec Ghost, bravo un bat, mais... Putain, d'habitude c'est Ghost Anima qui passe sur pour un gros raciste, et là maintenant c'est moi quoi. Alors que franchement... T'as dit, j'ai des copains italiens, c'est bon. Zagara, ça va. Zagara, je la connais les amis, hein. Pour ceux qui croient vraiment que je suis un gros con, Zagara, je la connais, donc rassurez-vous. Je prends la pierre. La pierre, c'est bien. La pierre, c'est mal, vous voyez. C'est trêve de maturité. Bah allez, un examen, un Disney, un examen, un Disney. Hein? J'ai pas compris ton message, Asmodeus. Je sais que tu parles à Nota, mais c'était pas très franchet. Ça va aller. Un examen, un Disney, un examen, un Disney. Hein? C'est ça ton plan? C'est comme ça que tu fais? Bon plan, mec. Ouais, j'ai faim, maintenant. Minkati. Bah, j'ai un peu faim aussi, mais moi, peut-être qu'au milieu du stream, je me ferai un bol de céréales. Hein. Ah, mais moi, je parle dans le jeu. Hein. Je suis pas un gros porc, moi. On va parler de spaghetti, gros. J'allais juste me dire, je vais peut-être faire des spaghettis. Spaghetti. En vrai, c'est juste que j'ai déjà vu en stream ou sur YouTube quelqu'un faire genre qui parlait italien que avec des mots connus, tu vois. Et ça m'avait fait mourir de rire. Parce qu'on aurait dit qu'il parlait italien, le mec. C'était bien fait, en fait. C'était pas comme moi, ou... Voilà. Et donc, voilà. Mais Zagara, elle l'a pris mal. Hein. Je le sens, je le sais. Donc là, en fait, je prends juste plein de pierres, et comme la pierre, c'est lourd, chaque fois, je mets dans l'inventaire de mon dinosaure, qui, lui, peut porter beaucoup plus que moi. Et c'est pour ça que je fais des allers-retours à chaque fois. Et voilà, quoi. C'est tout. Je commencerai par la petite sirène. C'est 2 minutes, j'arrive tout de suite. Ça roule. La petite sirène, ça fait des millions d'années que j'ai pas vu. Hein. Pourtant, moi, les Disney, j'adorais quand j'étais gosse. Un putain de Disney, les amis, que j'ai envie de revoir, mais vraiment depuis très, très longtemps. C'est Aladdin. Oh, Aladdin, c'est trop... Enfin, genre, quand j'entends les musiques d'Aladdin, je suis là, mais c'était trop bien, en fait, Aladdin. Donc, va falloir que je regarde. Je me suis refait le Roi Lion.
Et ça faisait littéralement, mais vraiment, hein, je perds de la vie, il fait trop froid, mais ça faisait vraiment plus de 10 ans que je n'avais jamais vu ce film. 12 ans, je crois. Putain, qu'est-ce que c'est bien, le Roi Lion, qu'est-ce que c'est bien foutu, quoi. Et j'ai versé une petite larme. Quand le roi meurt, quand le père de Simba meurt, quand Mufasa meurt, j'ai versé une petite larme. Bon, moi, je pleure devant tous les films, hein, voilà, mais vraiment, je me suis rendu compte, putain, le Roi Lion, bordel, c'est un film pour enfants, mais bordel de merde. J'étais sur le cul, quoi. Spoiler. Ah ouais, mais attends, désolé, là. Ah, si vous avez pas vu, voilà. Hein. Voilà, hein. Le père de Luke, c'est Vador, quoi. C'est bon, hein. Tu adores Disney toujours, hein, Batacha. Bah moi, moi Disney, oui, pour moi, c'est des classiques, hein. Après, comme j'ai dit, la plupart des vieux Disney, je les ai pas vus depuis que j'ai 10 ans. Vraiment. Pourtant, je les adore, hein. Alors, Kylian, je vais te lire, hein, d'accord. Je vais juste... Oh, putain. Il est quel niveau, lui? Il est bloqué. Heureusement, il est bloqué. Il est niveau 50. Regardez, il est bloqué dans un arbre. On se casse, parce que j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, on se casse, Papy Vador. On se casse de ouf. Oh, il m'aurait éclaté. Après, Papy Vador est au level. On va revenir le tuer, d'accord? On va revenir le tuer avec Papy Vador. Mais d'abord, on revient à la base. Je vais mettre des vêtements qui me tiennent chaud. Là, je suis torse nu, mais j'ai un skin, en fait. J'ai un skin invisible qui permet d'enlever la visibilité de mes armures. Et je trouve ça cool pour aller dans le désert, d'y aller torse nu en mode badass. On n'est plus dans le désert. Donc, bon. Désolé, je parle beaucoup. Peut-être que vous n'arrivez pas à me suivre, les amis. J'enchaîne. Bon, Kylian. Bon, attends. Non, je vais d'abord m'habiller, Kylian. Je dépose ça. Je dépose mon armure ici. Et je prends ça. Enfin, je garde ce pantalon-là. Et là, je m'équipe. Et là, mon personnage n'a plus froid, normalement. Viens ici, toi. Viens ici. Voilà. Est-ce que je peux... Tu veux bien bouger ou t'es trop lourd? T'es trop lourd, hein. Attends. Kylian, je vais te lire ton message. T'inquiète, hein, promis. Ah, merde, mais non, c'est moi qui suis trop lourd. Je veux juste gérer ça, finir ça, là. Et puis, je te lis. Hop, je dépose ça aussi. On mange pour se soigner. Toi, là, tu viens. Je vais le mettre à la fenêtre, comme tout à l'heure. Hop. Et comme ça, je prends les objets de son inventaire. J'enlève le suivi. Et je me mets à l'intérieur, je prends de la bouffe et je te lis. Hop là, je mange. Je comprends, mais tu pourrais pas tester à créer un serveur genre ouvert à 30 personnes sur Ark. C'est pas du PVP, mais du PVE. Et on crée un énorme village. Genre, il y a des abos à toi, Ghost, etc. C'est une idée, car beaucoup de streamers font ça. En tout cas, sur Ark. Oui, alors, ce que tu dis de créer un serveur pour la commu, ce serait très cool. Mais non, vraiment pas. J'ai pas le temps de gérer ça. J'ai pas le temps de gérer un serveur public. Parce que quand tu crées un serveur, pour moi, c'est ma responsabilité. Donc, s'il y a des problèmes, c'est à moi de gérer. Moi j'ai pas envie que n'importe qui puisse venir dans un serveur que je crée. J'ai pas le temps de gérer un serveur. Je reprends Ark depuis peu. Ça faisait 2 ans que je voulais rejouer au jeu. J'ai pas la force pour ça, vraiment. Ce serait chouette, et un jour peut-être, mais pas pour le moment. Voilà, voilà, désolé Kylian. Enfin désolé, désolé d'avoir répondu que mais non. Moi aussi je suis fan de Toy Story. D'ailleurs la musique You've Got a Friend in Me, c'est la berceuse de Minimize. Je lui chantais déjà quand j'étais enceinte. Oh, Nota! Meilleure musique. Meilleure musique, Nota. Et ouais, Joking Gripper, y a des tils à Coléo, on en a déjà battu la fois passée. Y en a ici. Y a, en fait, dis-toi sur... C'est vrai que normalement, ils sont dans le Redwood. Hein. Dans Crystal Isle, je sais pas si tu connais bien cette map, mais il y a tous les dinosaures du jeu dedans, sauf quelques exceptions. Et il n'y a pas les dinosaures des dernières extensions Genesis et Extinction. Mais sinon, il y a tous. Ils sont tous dedans. Genre celui-là, c'est un dinosaure du désert. Non, on n'est pas sur une map du désert, là, tu vois. Hop, on lui laisse de la viande pour qu'il puisse manger. Hop. Je vais pas attendre Ghost Anima, on va aller buter le Tilacoléo. On va aller buter ensemble, les amis.
J'ai essayé que The Island et Ragnarok. Ok, ok, ok. Ragnarok, c'est un peu comme cette map. C'est-à-dire que Ragnarok et Crystal Isle, ce sont des maps qui ont été créées par des modders, des viewers, des joueurs qui ont voulu créer leur map, en fait, sur un mod. Et les créateurs de Ark ont fini par les rendre officiels. Il est toujours là-bas. Vas-y, il est toujours là. On va vérifier son niveau pour être sûr. Niveau 50. Regardez, il est bloqué. Ok, je te comprends. Merci, Kylian. Merci de piger. Mais l'idée est géniale, hein. L'idée est géniale, mais... Moi, je joue à plein de jeux vidéo, tu vois. Donc, moi, ici, je fais ma petite partie avec mon pote, mais c'est tout. Alors, je le mets en suivi. Je vais lui dire d'attaquer la cible là-bas. Attaquer cette cible. Gros, je vais attaquer un Tilacoléo. Niveau 50. J'arrive. Merde, attends, je tire comme une merde. Attends, on va laisser mon dinosaure prendre les... Prendre... Ah merde, non, mais il m'attaque pas moi. Oh, c'est bon, c'est bon. Il a pris l'XP ou tu l'as tué? Non, j'ai pas tué, c'est votre Papy Vador a tué, machin. Ok. Merci Papy Vador. Je voulais vraiment qu'il garde l'XP. Désolé, vous avez rien vu, c'est hyper sombre. C'était l'enfer en vrai. Le jour se lève, c'est cool. Tu m'as appelé? Ok. Regardez, il tire des pics. C'est trop bien ou pas? C'est comme du laser, mais c'est des pics. C'est vraiment chouette parce que je préfère Ragnarok. Bien plus de zones plates pour construire, ça c'est clair. Mais The Island, c'est quand même une map classique pour moi dans Ark, parce qu'il y a tout sur The Island. Enfin, il y a tout, non, mais... C'est une map classique, c'est la map du cœur, The Island. C'est la première map. Au début, il n'y avait que celle-là. Elle est géniale. Ouais, elle est quand même assez complète, je trouve. Oui, moi, je la trouve assez complète. Elle est simple à jouer, mais c'est ça qui fait aussi que c'est bien. Clairement, Ragnarok est trop cool. Merci, dis, petit Papy Vador, pour le combat. Tu nous as grandement aidé, là. Enfin, je dors tout le temps, j'arrête, gamin. Là, le jour se lève. Bon, allez, on va continuer l'étage. Je rappelle, là, on est dans un épisode... ici, encore pendant une vingtaine de minutes, où on construit, hein. On fait vraiment que ça. Ah, mais attends, je devrais aller chercher du bois, peut-être. Quoique, on en a plein. Quoique, on en a plein. Je vais faire un petit truc, vous allez voir, je vais faire une rampe. Une rampe, les amis. Et je vais la faire comme ceci. Pour permettre à mon dinosaure d'accéder plus facilement à mon armoire. Regardez. Je fais une rampe là. Hop. Ça va, il me courir dessus, là. Je vais couper du bois, tu m'accompagnes si jamais il y a un ennemi ou... Je viens d'en couper. Ok, mais je vais en couper quand même avec le mien. On rase des forêts, nous, hein. Nous, bah, on... C'est l'homme, quoi. On fait bien l'homme. C'est l'homme, quoi, oui, c'est vrai. Même dans les jeux vidéo, l'homme détruit tout, quoi. C'est déconné, quand même. Hein. Ouais, mais moi, la pire chose dans les jeux vidéo, je trouve, qui fait peur... c'est dans Minecraft, quand tu fais un enclos avec 300 vaches, et toutes les vaches sont les unes sur les autres, et ça fait vraiment abattoir en chaîne, et tu les massacres, et là je trouve ça dégueulasse. Mais effectivement, ce n'est qu'un jeu, et c'est comme ça, c'est comme ça, mais ça fait mal quand même. Dans la vraie vie, fuck ce genre de truc, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, on a 290. Dame l'Antilacoléo. Alors, ce genre de dinosaures stylés, le gamer, on essaiera de les tamer, mais à des hauts levels. Sur notre map, ils peuvent être level 150 maximum. Et là, il était level 50, on va pas le tamer. Heureux Rotor. Pas encore. Attention, je le ferai pas si t'es pas là. Hein. Mais là, on est au début du jeu. Hein. On n'a même pas une base complète, on se focus pas sur le timing. Pour l'instant, on se focus pas sur le timing. Merde, par contre, je dois... Le timing, c'est le fait d'apprivoiser. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Regardez avec la petite rampe que j'ai faite. Hop. Il pourra passer sa tête à l'intérieur, regardez. Normalement, j'ai bien géré. Regardez, mais regarde... Moi, sa petite tête... Et là, j'ai accès à son inventaire. Et là, je peux tout mettre dans mon armoire, ici. Mais non, ce que je vais faire, c'est que je vais monter en haut et je vais voir ce que je dois faire pour la suite de la construction. D'accord? Il me faut... une fenêtre et deux murs.
Et puis on passe à l'étape au-dessus, supérieure. On va commencer simple, on va juste clôturer une fenêtre et deux murs et puis je calculerai le reste. Ghost, on finit juste l'étage et puis on passe à... Ouais, je farm. Au niveau farming, mec, dans mon armoire, enfin... On est bien, on est efficace niveau farming, en vrai. Ça, c'est cool. Mais c'est quoi alors que j'ai farmé full narcotérie? Ouais, ça, c'est une bonne idée. Mais tu veux pas me... Ouais, j'allais dire me laisser en crafter pour prendre du level, mais en vrai... Bah, en soi, tu fais des murs et tout ça, donc... Tu vas quand même prendre la moitié de ce que je prends. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça me manque de plus faire des... Des narcotiques. C'est honteux. Si mais pourquoi veux, c'est honteux? Je te fais les trucs, je m'en fous, moi. Non, mais tranquille. Rodor, pourquoi c'est honteux? Regarde-moi. Oh, putain, mais qu'est-ce que... Attends, quoi? Attends. Attends. Coucou. Coucou. Encore, s'il te plaît. Je suis derrière toi maintenant, coucou! Tu ne me vois pas, coucou! Ouais, des enfants. Kylian, en fait, je t'ai demandé ça car il y a personne qui joue à Ark alors je suis tout seul H24. Mais la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu dans le chat qui avait un serveur. Oui, tous, quand il reviendra, on lui redemandera. Lui, il a un serveur, il accepte des gens. On lui redemandera, ça me dérange pas de faire de la pub pour ça, mais j'ai pas son lien. Mais donc, si jamais il revient, tu pourras lui demander. Il a un serveur Discord et tout avec les gens qui sont dessus. Donc voilà. Venez me faire rire à haute voix seul dans ma cuisine. Merci les gars. Trop bien, Zagara. Trop bien. Ah, mais nous, on est des enfants. Hein. On est des enfants. Oh, des trucs comme ça, vous en verrez encore. Hein. Oh, ouais. Mec, ouais, je vais le faire en bois, je crois. L'étage du dessus. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que. Non, moi je te ferai tout en pierre. Pourquoi? Par rapport au T-Rex? J'encule le T-Rex, mon gars. Non, c'est quoi, par rapport à l'esthétique. Ouais. Moi je ferai tout en pierre et limite. Attends. Parce que là on va encore faire, en fait on va faire une rangée de murs, donc on va juste monter d'un niveau. C'est ça qu'on va faire les gars. Vas-y dis-moi à gauche. Moi, je sais pas. Mais selon tes plans en fait, moi je trouve que si on rajoute du bois, ça va faire vraiment genre un quadrillage. En fait. Un truc de bois, un truc de pierre, un truc de bois, un truc de pierre, un truc de bois, un truc de pierre, je trouverais pas ça esthétique. En fait, et si jamais on cassait... si jamais on cassait le bois qu'il y a déjà sur notre première structure. Alors là c'est bien. Et ça serait mieux. Mais alors tu vois, pour moi, on aurait dû faire la ligne qu'on vient de faire entièrement en bois alors, tu vois. Mais moi je trouve pas, parce que autant que ça se soit solide. Tu vois. Non mais ok, ça va, c'est bon. Non. Mais de toute façon on va pas tout remplacer, donc ça c'est sûr on le fait pas quoi. Oh non, mais clairement. Mais alors ouais, il faut clairement remplacer la ligne en bois quoi. Parce que sinon ça va être dégueulasse. Mais par exemple, attends, la taille de notre, je sais pas où t'es en fait, la taille de notre bâtiment de base, tu vois, en ouais. Fait, tu vois tout ce qui est en hauteur, tout ce qui est en mode au-dessus là, si je faisais la deuxième hauteur en bois que pour attends. Cette partie là, là je suis en vue extérieure, c'est moins drôle, arrête petit con. Nota, il y a Kylian qui a payé pour un bannissement temporaire. Tu peux le ban pendant... Ben voilà, elle la ban. Salut. Kylian, t'es ban pendant 120 secondes. Tu pourras revenir après. T'as payé pour, hein. Alors, écoute-moi, Ghost. Concentre-toi, s'il te plaît. Une dernière fois. Oui. Juste l'étage qui est en... Donc, pas notre bâtiment de base. Juste l'étage où je suis. Est-ce qu'on ferait pas la hauteur en bois juste là-dessus? Et la hauteur ici près de la tour, de notre tour de base, on l'a fait en pierre. Est-ce que là ce serait dérangeant? Non, on pourrait faire ça, ouais. Ça pourrait être sympa, faut voir. Au pire, on pourra changer après. Ouais. Moins. Allez, let's go. Il me faudrait 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenêtres en bois. Et combien de murs en bois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 5 fenêtres, 8 murs. Allez hop, c'est parti les gars. V-
viens prendre dans mon groupe de quoi faire des narcotiques si tu veux, j'ai un... Tu sais quoi, t'inquiète. Je te laisse... T'inquiète, mais non, mais tu sais, t'inquiète, fait, tu peux faire en vrai. Bah je fais en masse, alors comme ça on en a full, hein, tu sais quoi. Ouais, mais attends, non, tu sais quoi, j'ai quand même envie de cliquer un petit coup dessus, même pas beaucoup. Mec, je suis coincé. Putain, je dois ramper en dessous. Ah non, j'arrive même pas. Putain. Y'a mon groupe, il m'a coincé. Laisse-moi te concentrer, là. Les... Mec, tu me fais rire aujourd'hui, ils sont où les murs? Je suis aveugle maintenant, à cause de toi qui me distrait. Les murs. Je dois en faire combien? J'ai oublié. J'avais dit 5 et 7? C'est jamais 7, 5 et 8. 5 et 9? On va dire 7, je peux faire que 7 pour l'instant. Par contre, oh. Bat, tu peux quand même m'aider et virer groupe parce qu'il me bloque ce con. J'ai pas bougé. Attends, attends, je vais venir voir. Attends, je suis en surpoids, je viens, j'ai trop de trucs. Hop, hop. Attends, ah, si, j'ai réussi. Ah, ouh. Il a tourné la tête en fait. T'étais bloqué à cause de sa tête. Ouais, en fait, heureusement, en fait, il me regardait et donc il me conseillait, ouais. Là, vu qu'il t'a regardé, c'était bien. Quel enfer. Bon, je te mets. Tu sais quoi, on va faire ça, hop. Je le mets dans Phoeb. Donc Phoeb. Dans Phoebe, ah, putain. Pas Phoeb. Phoebe. À 200 narcobéry. Ah bah il me manque un mur. Par contre, rappelle-toi qu'on peut faire des vraies vitres, hein. Donc ça, on remplacera peut-être les fenêtres par des vraies vitres. Parce que là, on fait des fenêtres un peu nazes, mais on peut faire vraiment des vitres, quoi. Akilian, il est de retour, ça va, j'allais dire, putain. Peut-être qu'il y a un bug et qu'il va être vraiment ban, parce que mon frère a été ban longtemps, hein. Pourquoi j'ai pris ça? Bah t'étais curieux, tu voulais voir ce que c'était. Chez. Phoebe comme là, Phoebe? Ouais. Regarde. Ce dinosaure-là, regarde, il s'est écrit au-dessus. Phoebe, niveau 12. Je sais pas, j'avais envie de l'appeler Phoebe. C'est une femelle et je sais pas, j'aimais bien. Après, oui, tu peux penser à Phoebe de Friends, mais pas spécialement non plus, quoi. Oh, mec! Attends, t'es où? Coucou! Et comment t'as fait pour grimper ici? Ah, via le cristal ou quoi? Ouais, mais pas le gros, j'ai du jump sur le petit ici, tu vois, ici là qui est bon. Et puis hop là, t'as fait un gros jump. Ah, oh, j'ai pas réussi, c'est facile. Oh putain, mec, c'est impressionnant, mais c'est trop pratique en vrai. Comme les sauts de l'avance, c'est... En vrai, mec, t'imagines de... Oh, c'est un truc de ouf. En vrai, ouais, pour l'explo, mec, il est... Mais rappelle-toi que l'iguanodon, quand on l'a découvert, quand il était nouveau, on s'est rendu compte qu'il était trop bien, hein. Un mur en ouais. Bois, et puis... Il y a aussi une particularité de l'iguanodon. Regarde un peu là où je suis, s'il te plaît. Ouais. Bah, si les gens ne le savent pas, quand en fait, il a la particularité de soit être sur quatre pattes ou sur deux pattes. Et quand je suis sur quatre pattes, même quand je cours, je perds pas de stamina. Et c'est ça qui est génial. J'avais oublié ça. Mais est-ce qu'il me faudrait pas un iguanodon plutôt que des raptors? Mais il tape pas fort, hein. C'est juste ça le truc, quoi. Viens, t'es où? Regarde en haut et viens voir mon personnage, quand même. J'ai un truc à te montrer. Attends, j'arrive. Merde. Je suis à saison 8 de Friends, d'ailleurs. J'ai recommencé il y a 2 semaines à saison 1. Mais moi, je vais recommencer aussi un jour, je sais pas quand. Ouais, la vie, Friends. La vie. Regarde mon personnage, regarde derrière, regarde mes vêtements, on voit marrer des fesses. Vous avez vu l'arrière de mon personnage? J'avais pas fait gaffe. On voit pas son petit nombril devant, c'est dommage, mais... Le pingouin de Batacha! T'es de retour! Mais tu t'es fait ban, il a parlé en majuscule. Nota, enfin non. Patience, 60 secondes pingouin. Pingouin qui est de retour. Ghost, tu te rappelles le pingouin? Oui, hein. Bien sûr. La reine perturbe depuis tantôt. Mais j'avais pas fait gaffe. Pas quand c'était torse nu, j'avais vu, mais c'était pas grave, tu vois. Mais là, là, on dirait que j'ai un petit top un peu surélevé, là. Oh. C'est la 5e fois que je regarde l'intégrale en plus d'un an. Mais moi, je m'étais. En fait, Friends, j'ai tout bouffé 1000 fois il y a longtemps, donc je suis en pause. J'ai jamais regardé, mec. Oh, c'est chouette, Friends. C'est très chouette. Attends, il faut que je calcule un mur. Oh, mec, attends. En fait, tu sais quoi? J'ai 10 murs plus sur moi. Je les avais fait tantôt, j'avais oublié. Des murs de pierre? Oui. Allez, viens.
pas, putain. Son rire de fumeur. C'est même pas vrai d'abord. Un petit peu. Ban Ghost, il a jamais regardé Friends. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait le ban pour ça. Hein. Bah bannez-moi et. Non. Non, s'il vous plaît. Ne bannez pas. Hop. Putain, il va y aller ce con. Je te vois passer, je regarde un truc sur mon PC. Allez, viens, donne-moi les murs. Bon, mes fringues, ça le fait vraiment pas. Hein. Oh, mais j'ai même pas de chaussures. Bon, c'est quoi, je vais arrêter de faire le con parce que ça me. Je suis vexé. Bah, Pingouin, c'est une sécurité, tu sais. Il y en a plein qui écrivent des majuscules et moi j'en ai marre. Donc, c'est une sécurité. Même si t'as juste dit bonjour en majuscule, bah. C'est comme ça. Il y en a un qui a fait le malin une fois, qui je lui disais d'arrêter d'écrire en majuscule, il continuait. Donc, je lui ai dit, bah, ban. Je l'ai dégagé à vie du stream. Et depuis, j'ai mis une sécurité anti-con. Attention, hein, je te mets pas dedans. Hein. Mais tu comprends, hein, sur le stream, il faut se protéger. Mais bienvenue, Pingouin, ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps. Les gars, dans le chat, pour ceux qui ne connaissent pas, le Pingouin dans le chat, là, c'est un petit viewer qui était là au tout début, quand j'avais même pas de webcam. J'avais même pas de caméra, mon stream était tout lagué. C'était au tout début et là. C'est ouf quand même. J'espère que tu vas bien, Pingouin, que tout se passe bien pour toi. Merde, j'ai pas compté combien de fenêtres. J'ai pas compté combien de fenêtres j'ai besoin. Et t'as vu, on est de retour dans Ark, sauf que Pingouin, maintenant. Maintenant, Pingouin, j'ai un PC monstre. Du coup, Ark, je n'ai plus de problème. Eh hé. Aha. Parce que Pingouin, il était là à l'époque où j'ai essayé de jouer à Ark en live. Et mon PC surchauffait, hein, et le stream laguait, le jeu laguait, c'était l'enfer sur Terre. J'ai bien évolué depuis, Pingouin, n'est-ce pas? Il me reste une fenêtre en... Ghost, t'as un problème? Non, hein. Il a fait... Connard. Allez, les amis, quoi. Les amis, quoi. Son jeu. C'est le méchant dans Batman, ouais, je connais, le Pingouin, mais putain... Asmodeus, ciao ciao. Ciao ciao. Merci. Merci pour tes beats et courage pour ton étude. Et re-Toco, pourquoi t'as un emote de vénère, Toco? Pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce qui se passe, Toco? Parce que j'arrive pas à voir mon crâne. J'ai tout bougé. Ah, bonsoir, Bex Benny, bienvenue. Tu travailles, Bex Benny? Tu travailles aujourd'hui, ce soir? Mais c'est pas une fenêtre qu'il me fallait, c'était un mur. Bon Ghost, écoute-moi bien. La dernière étape avant qu'on arrête de farmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5. 5 x 3. 3 x 5, ça fait 15. Le petit coup de pression, j'aime bien, moi, ça. Moi, je suis une merde en maths, alors écoute, tu mets un coup de pression, genre... 2 x 5 quoi 20 10 12 Je sais plus. Donc, voilà. Je dois juste faire les plafonds. Les plafonds, et c'est fini. Je dois faire 15 plafonds, et la première étape de ce bâtiment sera finie, mec. Ça coûte cher en pierre, ça, ou quoi, non? Par contre, je joue beaucoup sans l'interface, moi. J'aime bien jouer sans l'interface, Ghost. Ah, mec, c'est très marrant. Il y a un idiot qui est en train de se défoncer sur le pic. Ah ? Et il va mourir. C'est quoi comme dino ? C'était un smilodon. Ce sera pas le premier ni le dernier à se planter sur nos défenses. Attends, je dois faire combien ? J'avais dit 15 plafonds. Putain, ça coûte cher. Quoi de beau, sinon ? En fait, je me disais que tu streamais plus, sauf que je n'avais pas les notifs. Ah ouais ? Ah, j'ai jamais lâché le stream. Hein. Je stream de ouf. Dis-toi, là, ça fait 6 jours de suite que je stream, par exemple. Mais je stream tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore streamer. J'ai pas lâché depuis le début. J'ai fait une pause pendant les vacances parce que j'étais en vacances. Mais sinon, c'est tout Pingouin. Je lâche rien. J'ai perdu 4200k points chez Bi. Du coup, je réussis. À cause des bets, il est mort à cause d'un éclair. Ah, t'as fait des paris ou quoi, Toco? Oh, vous avez fait des paris? Ah, et t'as perdu, chère.
J'ai la flemme de faire des paris ce soir, j'ai pas d'idée pour des paris. Je vais y penser pour une prochaine fois, refaire des paris, parce que c'est vrai que c'est drôle, mais là, dans l'immédiat, j'ai un peu la flemme. Mais ici, tu pourras gagner des bits, des chez Gold. Et chez lui, c'est des bets? Ça s'appelle des bets ou pas? Ça s'appelle comment chez lui, les points? Bon, je reviens peut-être plus tard, je vais tamer un gigano, je rigole pas, bon à toutes. Kylian, bon timing. Amuse-toi bien. C'est quoi? Attends, mais what the fuck? Allez, je dois faire 15 plafonds là. Là, je suis à 10, je vais encore en faire 5. Attends, mais on va pas avoir assez de pierres ou je rêve? Mec, je suis en train de liquider toutes les ressources. Hein. C'est pour ça qu'elles sont là. Dab, il y a eu un dab, j'ai loupé un dab. Et le dab, oh! Je l'ai pas vu! J'effectue le dab. J'en ai fait 3 là. Ok, bah repars aussi d'ici, vais dormir. Toko, bah, ça me fait plaisir quand même que tu sois passé. Ma petite Toko, bonne nuit à toi, alors, hein, si tu vas dodo. Courage pour les cours, hein. J'espère que... Oh, mais j'ai plein de pierres, moi, ici. J'ai plus de bois, en fait, c'est ça. Et voilà, Toko, j'espère que tout va bien pour toi. Bisous, bisous. Mouais, comment ça, mouais? Pourquoi mouais? Bande de méchants. Bouh! Très chouette ce bruit. C'est comme vous avez entendu ça, un peu d'ASMR à l'eau. Pourquoi on est méchant? Je suis pas méchant moi. Y'a Xagara qui croit que je suis méchant. Hop. Ghost, tu me bloques le chemin là. Toko, ça sent le sel. Il manque un mur en bois. Il y en a dans le... Ah non, c'est une fenêtre. Par contre, je viens de penser à un truc. J'ai remis du bois et tout, normalement, donc tu pourras en parler. Je viens de penser à un truc, parce que moi, à la base, voilà. Mon plan de base, c'était qu'on arrive ici, il y a un truc central, ce serait là, une pente, deux pentes, et on arriverait au-dessus. Ouais, je vais faire ça. Techniquement, tu m'as raté, hein. Oh oh! Mec, je t'ai tellement chopé dans mon... Mec, tu m'as raté, hein. Je suis désolé, la flèche, elle est au-dessus de mon épaule, hein. Tu m'as loupé. Mec, pour chez moi, elle est juste dans ta tête, quoi. Dans ma tête? Regarde le stream. Je sais pas si t'es... Bon, t'es peut-être pas dessus, mais... Moi, elle flotte pile au-dessus de mon épaule. Bah, tu vois, moi, je suis dans le gras du bulldog, quoi. Tu vois, dans ce truc le menton. Psychotique! Psychotique Joe! Merci pour ton raid! Bienvenue à toi et tes 5 viewers, merci! Merci, merci, je te connais pas, psychotique Joe. C'est vraiment un nom de psycho, ça. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Bienvenue, les gars. Merci, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Faisiez quoi sur ton petit stream, psychotique? Dis-moi, faisiez quoi de ton côté? C'est génial, c'est un petit raid. Merci beaucoup, dis bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. T'es plus gentil que Steve et John, en tout cas. Je prends ça bien. Ils sont déjà très gentils, donc si je suis encore plus gentil que eux, je suis un ange. Merci Psychotique, bonsoir à vous, salut Zozor. Bienvenue, bienvenue les gars, du arc aussi. Et on a fait les boss, et le premier boss du Tech Cave. Ouh, c'est sur The Island ça, hein? Ghost, ou pas du tout? De quoi j'ai pas écouté? Les boss, la Tech Cave, la cave tech. C'est pas la cave finale sur The Island? Ouais. Ouais, ok. Bah écoute, ici, Psychotique, j'avoue, c'est une autre dynamique, hein. On est un peu au début d'une aventure coop à deux, tu vois. On est en mode... on construit, on est très chill. Les boss, c'est pas pour tout de suite. On n'est pas en tryhard. D'ailleurs, moi, je joue à ce jeu depuis des années. Et j'ai battu qu'un seul boss. Et j'ai jamais fait d'autres boss. J'ai battu l'araignée. L'araignée sur... La Brood Mother. Ouais, sur The Island. C'est la seule que j'ai combattue. J'ai fait un mur en bois. Parfait. Je fais juste les deux rampes et puis on peut arrêter ici. D'accord, la construction. Mais c'est cool ça, si t'as fait les boss. Franchement, je crois que je viendrai voir. J'irai, enfin, forcément, vu que tu m'arrêtes, j'irai jeter un coup d'œil à ta chaîne. Encore merci, vraiment.
et j'irai voir un peu ton gameplay là, ça m'intéresse. Les combats de boss, en fait, j'en ai beaucoup vu en live ou sur des streams d'autres personnes, mais voilà quoi. Ça, c'est notre petite bicoque. Regardez, on voit la raie de mon personnage. On voit ses fesses. Je sais pas pourquoi il a levé sa veste, comme ça, elle est peut-être trop petite pour moi. Hein. Psychotique, merci pour ton follow, merci beaucoup. Ça chill, je débute. Ah, tu débutes sur Twitch, tu débutes ou non, pas sur le jeu, si t'as fini le boss. Bah écoute, c'est cool. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Hein. Twitch, c'est génial, donc je te souhaite du bon. Hein. Je te souhaite du bon. Là, on est occupé de terminer la construction. On va bientôt partir pour tamer quelque chose. On va peut-être tamer du raptor. Ouais, tu vois où on est dans le jeu, quoi. Ouais, oui, c'est ça, on est au début du jeu. On va vraiment à notre aise. Hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué au jeu. Et on reprend, quoi. 4. Et j'ai bien fait 2 rampes ou pas? Donc, niveau timing, on a que 2 petits dinos. On a un iguanodon niveau 200. Et un lézard épineux niveau 70 aidés. Et on a des petits dinos à droite à gauche, des tout petits. Mais non, je veux pas écrire. Mais voilà quoi. Je suis trop content de retourner sur ce jeu parce que à l'époque, quand j'ai commencé à streamer. Ghost, il m'attend. Hein. Il est prêt, lui, il m'attend. Quand j'ai commencé à streamer, mon PC ne me permettait pas de faire tourner Ark en étant en stream. Et c'est que depuis peu que je peux. Donc j'ai trop bon quoi. J'ai trop bon. Ghost, monte à l'étage, regarde ce que j'ai fait. Je sais pas ce que t'en penses. Attends, moi l'OM. J'ai vraiment pas, c'est une bonne idée, hein. Tu me diras. En fait. Tu sais que ça casse tout, hein, parce que le fait qu'on ait fait sur 2 étages, moi je pensais faire une petite rampe de base, et là, tout de suite, ça prend beaucoup de place. Mais on peut faire un escalier au colimaçon. Ouais, on va peut-être plutôt faire ça. Mais tu vois, un escalier en coin, en carré ou quoi, tu vois. Trop tard, je peux pas le tirer, dommage. Non mais tu les casses, en plus, on fait un escalier par exemple ici ou quoi. Attends, une petite plateforme, et un autre escalier qui monte genre là ou quoi, tu vois. Non, parce que, ouais, mais ça prend de la place les escaliers gros, hein, les escaliers en rond. Mais justement, enfin ouais, je sais, mais fais comme tu le sens, mais un escalier comme ça, j'aime trop bien. Non. Aïe. Je casse tout. Bah écoute, moi je te propose que on arrête la construction pour maintenant. En vrai, on a pas mal avancé ici, on va avoir de l'espace, on va pouvoir faire ce qu'il faut ici. Hein. Ça te dit qu'on se prépare pour aller tamer? On peut faire ça. Ok. Tac, tac, je dépose un peu mon inventaire nul. J'ai quelques flèches, j'ai 17 flèches narcotiques, mais t'en as fait plein des narcos. Est-ce que j'en recrafte un peu ou t'as tout crafté au final? T'as tout crafté, je hein. Sais plus, est-ce que j'en ai tapé chez toi ou pas, je ne sais. Groon n'a plus de narcotiques, donc... Oh, tu les as mis dans mon coffre, genre? Je ne sais plus. Dans le smithy? Non, mais oui, j'ai tout fait. Non, ok. C'est très de qualité, merci Papivador, tu l'aimes, hein, Marais. Marais des fesses, hein. Je débute Twitch, j'ai commencé en novembre seulement. Pour Ark, j'ai plus de 6000 heures de jeu. Nous, on est modés, donc c'est carrément différent. Ah, ben on est modés aussi, mais très léger, quoi. On a 9 modes, mais c'est des modes de décoration, des petits modes qui ajoutent ouais, de la déco, majoritairement. Et on a le S+, quoi. Le S+, qui ajoute pas mal d'avantages. On a un petit mode juste pour la jumelle, là, qui permet de zoomer. Voilà, des petits trucs très simples. Et vraiment, on est au début de l'aventure, donc notre maison ressemble à une maison tout à fait classique, sans mode. Par contre, je trouve que tu sais ce qu'on devrait faire. Dis-moi. Une lance en métal, au lieu de nos lances en bois de merde. C'est lourd, une lance en métal, rappelle-toi, hein, ça change pas mal l'inventaire, il me semble. C'est quoi 10 que... ou 20, tu crois? Mais quand tu regardes, une lance en bois, c'est... Mais mec, c'est 3 ou un truc comme ça, quoi. On peut faire l'épée aussi, hein. Après, on n'a pas de distance. Non, mais l'épée, on a clairement pas assez de métal, hein. Ah ouais, c'est 123 de métal. Ah ouais. C'est juste celle-là parce qu'elle est un peu shit-over, mais... Bah écoute, vas-y, je me fais une lance. En fait. Je me fais une lance. J'ai eu des soucis de gros lag venant de mon stream, mais pas en jeu. J'ai dû baisser ma résolution pour régler le problème. Ah ouais, mais ça, le streaming, ça demande beaucoup, hein. Ça demande de la connexion Internet, ça demande du processeur.
Et une bonne carte graphique aussi, quoi. Surtout en jeu, hein. Salut le gentil, comment tu vas, le gentil? Bienvenue. On a des mods qui te diraient, mais c'est cheat ce truc. Est-ce que t'as des dragons rouges, fluorescents, qui volent de manière hyper rapide dans tous les sens, et des trucs dans ce genre-là? Parce que j'ai déjà vu des mods de ouf, hein. Je sais bien, les parties modées, ça a une autre gueule, hein. Je sais que c'est une autre gueule. Mais pour les soucis de stream, si jamais t'as des questions, j'ai un Discord, et on a un salon aide stream vidéo, un truc du style. Et là-dedans, il y en a quand on entend qu'ils demandent des conseils, etc. Et on est plusieurs à répondre. Parce qu'on est plusieurs à streamer sur mon serveur. Donc voilà. YouTube, je te dis au revoir. Putain, avec nos deux dinosaures avec leurs têtes qui sortent des fenêtres. YouTube, je te dis au revoir pour cet épisode. On aura construit un peu la maison, on a un peu avancé. Rappelle-toi, YouTube, rappelez-vous. J'ai ce plan-là, hein, pour la construction. Ah, on n'a pas vu, mec, j'ai changé de scène. Je m'en remets. Et on continuera la fois prochaine. Hop. Au revoir, YouTube. Salut, YouTube. À bientôt.